Et dans le Languedoc-Roussillon, Louis de Castelnaudary cherche des adresses. Voilà. Dans un style à la White, un empochage d'Hunter. Plus en plus attentif et je vous entends de moins en moins, Philippe Guillon. C'est la fatigue, comme quand on est à une table. Non, c'est parce que je suis bien sur le match. Je pense que le match peut basculer vraiment à tout moment, surtout sur cette frame là. Soit Jimmy revient à égalité ou Paul Hunter se... Il n'y a pas d'autre scénario. Alors le break qui tue. Donc, contrairement au début de match, il n'éclate pas tout de suite. Hein. C'était White qui avait ouvert, je crois. Et c'est Hunter qui en avait profité. Ah non, de la bleue, il avait... non. Oui, d'accord. Mais il y a eu une autre position après de grande dispersion des rouges. Ouais. Et c'était White qui s'y était collé. Mais sur son tout premier break, là, c'était Hunter qui avait ouvert en jouant la bleue. Et là, il est beaucoup plus prudent, hein. Il se méfie un petit peu là, quand même. John Wee mène 4 manches 1. Et 2 breaks de 50 dans la 5e. Doherty, 3 manches 1 sur Lee. C'est un match qui dure, hein. Du côté de Doherty, c'est un joueur de fond. 21. Vous seriez pour la limitation du temps de préparation des coups pour chaque joueur, comme on fait au basketball ou dans certaines disciplines de billard où vous avez 24 secondes pour jouer. 24 secondes, ce serait déjà pas mal d'ailleurs. Oui, tout simplement pour un peu homogénéiser le temps de match. Et puis surtout au niveau amateur, parce que des fois je trouve qu'il y a des joueurs qui prennent un peu trop de temps et qui jouent là-dessus pour déstabiliser l'adversaire, et c'est un peu dommage. Surtout qu'il ne joue pas forcément mieux après avoir bien réfléchi. Dans votre salle, lorsque vous organisez des compétitions, je crois que c'est tous les mercredis, vous auriez la capacité de demander une forme de restriction de ces temps de préparation. C'est toujours très difficile à soumettre, déjà, parce que bon, chacun fait ce qu'il peut, souvent, et c'est difficile d'exiger à un joueur qui a l'habitude d'aller à sa vitesse et assez lentement, de lui demander d'accélérer, parce que ça va nuire à sa réalisation. Et... Vous avez déjà, en tant que formateur, fait accélérer le temps de préparation de vos élèves ? Un petit peu, oui. Il y a certains joueurs où j'ai essayé de raccourcir, on va dire, le temps de préparation. C'est pas facile parce que c'est propre à chacun. Et... Il peut y avoir parfois aussi une sorte d'inhibition et de peur de passer à l'acte. Hein. Exactement. Et auquel cas, c'est plutôt leur rendre service. Exactement, parce que plus l'hésitation sera importante et plus l'échec sera présent. Thank you.
Compteur vierge pour White. Un Century coupé en deux, c'est le score de Hunter. Il a bien attendu son heure pour asséner le gros break. Il n'y a pas de traduction française pour break, Philippe. Non, série, oui, série. Non, break, c'est break, c'est un break. Une main. Le plus connu, c'est le mot break, alors c'est le plus utilisé, vaut mieux. On en a même fait un verbe, breaker, et breaker c'est bien, gagner c'est mieux. Commentaire inspiré de Steve Davis, apporté sur le site. Ouais. C'est clinique, c'est propre. Il renoue au bon moment avec son bon snooker, ce garçon qui est déjà derrière lui. Trois grands titres. Un peu long. C'est le British Open et le Regal Welsh 2002 qui sont ses dernières réussites. Depuis, il a été un peu plus discret, Hunter. Et c'est plié. Il y a des moments de grâce comme ça et Hunter, il est en plein dedans. On retrouve un peu l'esprit de la première manche. Super. Et là, ça muselle le fan club de White. Et il y a un bon Century, la clé, dites-moi. Il ferme. Ça pourrait être. Alors, Philippe Guillon m'a chapardé la feuille des Centuries. Non, elle est là. Alors, 139 à battre. Et il y a 140 sur la table, ouais. À condition d'apparier la rouge. Ouais, il y a déjà rangé, Jamie. Et la noire. Alors, il faut revenir sur la noire si on veut faire mieux, ouais, que le 139 de Holt. Bien sûr qu'il y a de l'argent à la clé de ce meilleur break de la compétition. Et il le sait. Il le sait, ouais. Il le travaille, ce meilleur break de la semaine. Il y aura encore bien des occasions de le dépasser, bien sûr. Mais 140, c'est costaud quand même. 139, c'était magnifique, un peu faible. Curieusement, les meilleurs breaks de la semaine sont toujours dans une compétition au-delà des 140 points. On devinait que ce 139 ne tiendrait pas. Lors des qualifications, le meilleur break a été fait par Anthony Hamilton, 139, tout ça à Prestatine, à Pontine, pardon, et Robert Milkins, 130, et Darren Morgan, 127. L'occasion de parler de gens un peu moins connus, comme Sean O'Neill, 111, Paul Davison, 105, ou bien Mike Hellett, 103 points, c'est le collaborateur de notre confrère d'Eurosport, de British Eurosport, un joueur consultant. Ouf, ouais, et puis la dernière, elle n'est pas donnée. Voilà peut-être le break de la semaine sur cette noire. Mais quelle belle fermeture cette fois de partie.
intéressant quand même. Fallait y être pour ça dans cette partie. On avait soit ce Century, soit la remontée de Jimmy White. Ça n'a pas été le cas. Il y a quelques années, Jimmy White, il mettait une pâtée à Paul Hunter, mais là,